Je me présente, moi c'est un humain, hein, dans le jargon du box-office, hein, on pourrait dire que je suis une sorte d'intouchable, hein, de l'amour. Hein. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme un pot de peinture, hein, mais dans lequel, même en plein travaux, eh bien aucun homme, aussi bricoleur soit-il, ne trempe jamais son pinceau. Hein, c'est un peu je suis célibataire et ravie, hein, de vous rencontrer, et d'autant plus ravie, hein, que même si en matière de fils de Lulu Gainsbourg, hein, quoique très laid, aurait été financièrement plus excitant, eh bien malgré ça, eh bien, c'est pas tous les jours, hein, qu'on rencontre une bombasse, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot qui a 45 ans passé, hein, malgré un CV de jeune diplômé et un charisme assez relatif, il faut le signaler. Hein. Cela dit, un sacré lot de consolation, hein, pour les nombreuses femmes, hein, qui se sont cassées les dents sur ce sacré symbole, hein, qui a été votre papa, hein, avant de devenir un vieux mafieux. Hein. Un peu d'ailleurs, dont malgré quelques années d'errance, hein, vous avez fini par poursuivre les traces à une destinée à laquelle malheureusement je n'ai pas eu droit, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, malgré les centaines d'heures, hein, durant lesquelles mon père, en sa qualité de CRS, hein, m'a enseigné l'art, hein, du tir, hein, sur les caravanes et des manouches, hein, qui avaient eu lieu domicile à deux pas de chez nous, eh bien je peux vous dire, hein, que malgré la proximité des cibles et le viseur à infrarouge, hein, pourtant très précis de sa 22 long rifle, eh bien contrairement à lui, hein, n'ayant malheureusement jamais été foutu, hein, de dégommer autre chose qu'un clébard ou un pneu de merco, eh bien j'ai dû renoncer à embrasser une carrière dans les forces de l'ordre, un métier qui probablement, hein, vu l'équipement qui va avec, m'aurait sans doute permis, hein, de convaincre plus facilement les rares hommes, hein, malheureusement tous récalcitrants, hein, que la vie a mis sur le chemin de mon lit, hein, depuis la mort de mon pépé. Hein. Et à propos de crise sentimentale, hein, vous incarnez actuellement dans la pièce Panique, hein, un animateur télé coureur de jupons, hein, rôle pour lequel, paraît-il, hein, vous êtes inspiré de ce bon Nikos, hein, aussi charmant que TV, hein, comme disait les gens. Un choix qui ne se la dit pas idiot, hein, dans le sens où il faut bien reconnaître, hein, qu'on a déjà plus de mal à associer le label beau gosse à des animateurs, hein, comme les Laurent Romeshko et autres Koé. Hein, en parlant d'outsider, hein, je suis comme un petit niveau. Hein. Mais il n'y a malheureusement jamais inspiré chez aucun homme, hein, aucun désir autre que celui de me voir morte. Eh bien sachez, hein, que si comme vous le déclariez, hein, en 2008, hein, dans Le Parisien, hein, vous avez toujours en vous cette envie, hein, d'explorer de nouveaux horizons, eh bien j'aime autant vous dire, hein, que je serais absolument enchanté, hein, à l'idée de vous laisser explorer, hein, les zones aussi escarpées que reculées, hein, de mon anatomie, si vous voyez ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. Hein. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien j'irai essayer de faire le bouche à bouche, hein, aux victimes du Costa Concordia, hein, ce pokémon qui s'est échoué le week-end dernier en Italie. Hein. Donc aussi comme moi, hein, le navire qui est en vous ne serait pas contre l'idée, hein, de se faire déchirer la coque, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. À votre tour.